Imana Ishimwe. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on connaît vraiment la puissance de sa résurrection dans nos vies? La parole de Dieu nous dit, plus grand est celui qui vit en nous que celui qui vit dans ce monde. Il vit en nous parce qu'il nous a sauvés. C'est grand la puissance de la résurrection. Le Seigneur fait des choses dans nos vies. On a tous une histoire, des choses qu'on peut dire que le Seigneur a fait dans nos vies, qui nous a bénis. Et moi, je voudrais vous dire aujourd'hui que le Seigneur m'a vraiment béni. J'avais le désir dans mon cœur d'un jour aller en Afrique. Et le Seigneur m'a donné le désir de mon cœur 2 ans passés. On se rencontrait un groupe de personnes en prière le samedi soir. Et c'est comme ça que c'est venu, le fait que Domitila a été placé sur ma route. Je pourrais aller en détail de cette histoire, mais on a le temps court. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en décembre 2005, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'aller en Afrique avec Domitila. On est allé au Rwanda, on est allé au Burundi. Et j'étais avec une sœur aussi qui s'appelle Pauline, qui a accompagné Domitila à enseigner la parole de Dieu. Durant mon voyage, j'ai eu le plaisir de rencontrer des gens qui étaient là à la mort et la résurrection de notre sœur. C'était des témoins qui étaient là. C'était un groupe de prière. Ils étaient en prière et c'est à cette occasion que Domitila est décédée. Et Dieu avait parlé au groupe et il lui avait dit de ne pas enterrer le corps, qu'il allait ressusciter le corps des morts. Donc, c'est la puissance que le Seigneur a. Il, 4 jours plus tard, il a ressuscité Domitila des morts. Alléluia! Alléluia! Donc, sans plus tarder, je voudrais vous introduire mon ami, ma sœur en Christ, Domitila. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aussi que Frédéric est descendu de Montréal pour faire la traduction de ce message ce matin. Donc, sans plus tarder, Domitila. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, ma sœur Suzanne. Nous avons trop peu de temps. On n'a pas beaucoup de temps de converser. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord vous présenter mon mari. Et c'est un mari que j'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est mon mari, nous nous sommes mariés depuis notre jeunesse. Et jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Niko na wandugu ambao wananisaidia katika kazi ya Mungu. J'ai des bien-aimés qui nous aident dans le travail de Dieu. Wananiombea. Qui prie pour moi. Wananivarisha. Qui m'habille. Wananishikilia, wananiunga mkono. Et vraiment, ils me soutiennent. Siweze kuwasahau. Je ne peux pas les oublier. Wanaweza kusimama fasi wako. Ils peuvent se tenir debout tous. Kuko wenye wako mbele yangu hapo. Il y a d'autres qui sont devant moi, qui peuvent se lever. Kuko wengine pale. Il y en a d'autres qui sont de l'autre côté. Kuko wengine pale. Il y a d'autres qui sont là. Wote wenye wako anaweza kufurahi pamoja na mimi. Et tous peuvent se réjouir avec moi. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Asante, pasteur.
Merci beaucoup, pasteur. Ni pasteur wa kwanza kunialika kanisani na hajawahi kuniona na kunisikia. C'est le premier pasteur qui m'invite dans l'église qui ne m'a jamais vu et qui n'a jamais entendu mon témoignage. Ninawaza Mungu ana mpango mkubwa kwako. Ah, je crois que Dieu a des grands projets pour vous. Amen. Kwa jina naitwa Mama Domitila Nabibone. Par mon nom, on m'appelle Mama Domitila Nabibone. Natoka nchi ya Congo. Je viens de la République démocratique du Congo. Mimi ni mzaliwa wa Congo. Et je suis né là-bas. Tangia mwaka 1951. Depuis 1951. Ni hapo nilizaliwa. C'est là que je suis né. Ni hapo nilikomalia. C'est là que j'ai grandi. Nilizaliwa mjamala wa Kristo. Et je suis né dans une famille chrétienne. Nilikuwa na dini yangu mzuri nilipenda sana. J'avais ma religion que j'aimais tant. Niliolewa ndani ya dini katika nyumba ya Mungu nilifanya ndoa. Et je me suis marié dans cette religion et dans la maison de Dieu j'ai fait mon mariage. Mume wangu ndio huyo. Et mon mari c'est celui-ci. Sasa sikia nikwambie. Et écoute, je vais te dire. Leo sikuambia ushuhuda mrefu. Aujourd'hui, je ne te dis pas en long mon témoignage. Lakini nataka kuambia ushuhuda kama vile pasteur anatoka kusema. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire mon témoignage comme le pasteur vient de le dire. Sitahubiri. Je ne veux pas prêcher. Lakini niko mhubiri vile vile. Aussi, je suis prédicatrice, je prêche. Lakini leo nitakupa ushuhuda tena kwa kifupi tu. Et aujourd'hui, je veux juste te donner le témoignage en bref. Amen. Amen. Uko tayari kupokea? Es-tu prêt pour recevoir? Amen. Amen. Kama unapenda piga mikono. Et si tu es content, tu peux bien acclamer pour la gloire de Dieu. Sitahubiri kufufuka kwa Mama Domitila. Je ne prêche pas la résurrection de Mama Domitila. Lakini ninahubiri ufufuo wa Bwana Yesu Kristo. Mais je prêche la résurrection de Jésus-Christ. Yule aliyefufuka kutoka katika wafu. C'est lui qui est ressuscité des morts. Na ni huyo huyo anaendelea kufufua. Et c'est celui-là qui continue à ressusciter. Kama vile Yesu aliwaambia wale wanawake. Et comme Jésus a dit à ses femmes. Quand Lazare était mort, mukiwa na imani mutaona mambo makubwa ya Yesu. Si vous croyez, vous allez voir des grandes choses. Alléluia. Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka. Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. Aligusa mwili wangu. Et il a touché mon corps. Leo niko mzima. Et aujourd'hui je suis vivante. Siku ine nakufa. 4 jours, j'étais morte. Mwili wangu naoza. Mon corps pourrissait. Vidulu wananitoka. Il y avait des insectes qui sortaient de mon corps. Watu wananikimbia. Les gens m'ont quitté. Lakini Yesu Kristo. Mais Jésus-Christ. Akarudisha uhai wangu katika mwili. Il a retourné la vie dans mon corps. Na leo ninaishi. Et même aujourd'hui, je vis. Na ni huyo huyo ninataka kubambia. Et c'est celui-là que je veux vous dire. Yesu habadiriki. Jésus-Christ ne change pas. Yule jana leo. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait ressuscité Lazare et aujourd'hui encore il continue à ressusciter. Quand il, comme il était en train de guérir les malades, jusqu'aujourd'hui les malades guéris. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Si il avait fait ces choses, il va continuer à le faire. Mais seulement si tu as la foi. Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Attendez, je vais vous dire sur mon témoignage. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'aimais tant ma religion. Vraiment beaucoup. Et je me suis marié dans cette religion. Ok, je me suis marié en 1967. Et je croyais vraiment que je suis chrétienne et je vais au ciel.
Et chaque jour, je me réveillais et j'allais à l'église. Et je me promenais chaque jour avec mon chapelet et vraiment, j'étais pleine de moi-même. Et je me disais à moi-même, en me glorifiant, que j'ai une très très bonne religion. Mais seulement, mon salut, comment est-il venu? Et un jour, alors que je me reposais dans ma maison, je m'assoupissais là dans ma maison, j'ai eu un sommeil. J'ai entendu quelqu'un cogner à ma porte. Maman Domitila, fais vite et ouvre-moi, je veux rentrer dans ta maison. Dans mon rêve, je me suis levé et j'ai couru pour aller ouvrir. Et quand je voulais ouvrir la porte, il m'a dit ceci: tu viens m'ouvrir, est-ce que tu as préalablement nettoyé ta maison pour que j'y entre? Et je me suis retourné pour regarder dans ma maison. Et il y avait beaucoup de saleté dans ma maison. Il n'y avait même pas un endroit où je pouvais m'asseoir. Alors je lui ai dit: bien-aimé, je ne peux pas te mentir, ma maison est très sale. Et il m'a dit: comme ta maison est très sale, je ne peux pas y entrer. Et je rentre. Mais seulement j'avais quelque chose à te dire. Va chercher la Bible. Tu vas lire dans 1 Pierre 4 de 3 jusqu'au 7. Et cet homme est parti. 1 Pierre 4, 3e verset jusqu'au 7e. Et il est parti. Et j'ai sursauté. Je cherchais pour voir la personne, il n'y avait personne. J'ai ouvert la porte et j'ai couru par dehors. Et j'ai cherché partout, je n'ai vu personne. Je n'ai pas compris ce rêve. Je suis rentré. Je ne connaissais pas la Bible. Je me disais: qu'est-ce que je vais faire? Je me rappelais d'un garçon qui allait prêcher de maison en maison avec sa Bible. Comme je me suis rappelé que cet homme avait la Bible, je suis allé vers le garçon. Je lui ai dit: bien-aimé, est-ce que dans ta Bible là, il y a 1 Pierre 4 de 3 à 7? Elle a dit oui. Je lui ai dit: mais est-ce que tu peux me lire ça? Il m'a lu. Je n'ai rien compris. Je lui ai dit mon rêve. M'a dit: le rêve que tu as vu, la maison sale que tu as vue, ce n'est pas la maison où tu habites. C'est ton cœur. Et la saleté, c'est le péché en toi. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il est en train de cogner à ton cœur. Et je lui ai dit: frère, je lui ai dit que moi, je suis chrétienne 100%. Je suis né dans une religion. J'ai grandi dans une religion. Je me suis marié dans une religion. Et toutes les fois que je fais le péché, je veux voir le prêtre. Pourquoi tu me parles encore de péché? Et cet homme m'a dit: sœur,
crois à la parole de Dieu. Confesse ton péché et Jésus rentre en toi. Je me suis fâché et je suis rentré chez moi. Et mais seulement Dieu m'a cherché. Ce n'est pas moi qui avais cherché Dieu. Dieu me cherchait. Arrivé à la maison, je voulais juste chasser ces pensées-là. Mais Dieu n'a pas voulu. Oh, je manquais la paix. J'ai nettoyé ma maison. À partir du haut jusqu'en bas, j'ai nettoyé les choses de la maison pour que ma maison soit propre. Dieu n'a pas besoin de ta maison. Dieu n'a besoin d'aucune autre chose que ton cœur. Et j'ai manqué la paix, je suis allé prier. J'ai pris mon chapelet. Le premier tour, j'ai terminé. Il n'y avait pas de paix à moi. Deuxième fois, j'ai retourné, j'ai terminé. Toujours pas de paix. J'ai laissé le chapelet. J'ai vaqué à mes occupations. J'étais en train de préparer là-bas. Quelque chose est descendu en moi. Je commençais à trembloter. Je commençais à pleurer. Je commençais à prier comme jamais auparavant. J'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit alors que j'étais encore dans l'église catholique. Et Dieu m'a dit, confesse ton péché. Et confesser, c'est laisser aussi. Ok, confesser, ce n'est pas aller chanter devant le prêtre ce péché. C'est confesser et abandonner. Tu t'appelles créature de Dieu. Certes, tu es créature de Dieu. Mais seulement tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu fait la volonté de son Père. Mais seulement toi, ce que tu fais, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ah, je suis sorti et je courais en pleurant pour chercher un pasteur. Parce que le prêtre n'était pas là. Et alors je suis allé voir un pasteur, c'est lui que j'ai critiqué. Je disais que c'est un protestant, celui-là, je l'ai méprisé. Et c'est vers lui que je suis allé. Je lui ai dit mon rêve. J'ai confessé mon péché. Et après, il a prié pour moi. Et je suis rentré avec joie dans mon cœur. Je suis resté dans la mouvance du Saint-Esprit. Et mon mari est toujours catholique. Et la nouvelle est arrivée juste à l'église catholique. Comme quoi elle a reçu le Saint-Esprit. Et elle ne prie plus Marie. Elle a jeté son chapelet. Et elle n'est plus dans la bonne voie. On m'a appelé. On est parti avec mon mari. On m'a demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Je leur ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et Dieu me conduit dans la prière. On m'a dit, mais pourquoi tu as abandonné la prière de Marie et le chapelet? Je leur ai dit, maintenant j'ai pris selon que le Saint-Esprit me conduit. Et on m'a dit, là ce n'est pas le Saint-Esprit. Là c'est un mauvais esprit que tu as accueilli.
Piga magoti tukuombe. À genoux, on va prier pour toi. Tena tutakupa maji ya baraka. Et puis on va te donner de l'eau bénite. Na ile pepo watatoka. Et cet esprit-là va sortir. Yo, nikasema mimi sina pepo. Je leur ai dit, moi je ne suis pas possédé. Tena sina haja ya ile maji ya baraka. Je n'ai même pas besoin de cette eau bénite. Maana yule aliye ndani yangu. Parce que celui qui est en moi. Ni mkubwa wa hiyo maji. Il est plus grand que cette eau. Alléluia. Amen. Wakasema ondoka. On m'a dit, on m'a chassé. Wende. Sors. Wakamwambia mume wangu. On a dit à mon mari. Rudia na mgonjwa wako amekuwa kichaa. Rentre avec ta folle, elle est devenue folle. Nikasema Mungu awabariki. Je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Wakati nilikuwa pamoja na ninyi na zambi zangu mliniona mtu mzima. Ah, quand j'étais au milieu de vous avec mon péché, vous m'avez trouvé comme vivant. Lakini kwa sababu kuna kitu kinachange ndani yangu mnaona nabadilika Mungu awabariki. Voilà qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, vous avez trouvé que je suis folle. Que Dieu vous bénisse. Nikaenda ku kanisa wa Pentecôte. Je suis allé dans une église pentecôtiste. Wakanipokea vizuri sana. On m'a vraiment accueilli. Pasteur akaniombea. Le pasteur a prié pour moi. Akaniongoza ndani ya Roho Mtakatifu. Il m'a conduit comment marcher dans le Saint-Esprit. Après 3 mois. Trois mois après, akaniambia kubatizwa ndani ya maji mengi. Et il m'a parlé du baptême dans l'eau par immersion. Nikasema hapana. Je lui ai dit non, non. Non, moi, on m'a déjà baptisé. Dans l'eau. En esprit. On ne peut plus me baptiser une seconde. Et dans mon église, on nous prêchait. Si tu te fais baptiser une seconde fois, tu prends 2 croix. J'ai dit, mais ces 2 croix là, comment je vais les porter? Et j'ai refusé. On m'a chassé. Je suis rentré dans ma maison. Un problème est rentré. Là, mon mari était catholique. Ah, mon témoignage est trop grand, je sais. Mais seulement, je vais vous dire comment j'étais morte. Et après quelque temps, mon mari aussi est sauvé. À l'église catholique, il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. On les a aussi chassés. Alors, on a commencé à prier ensemble avec toutes ces personnes qui étaient catholique. Chassées. Nous n'étions pas de l'église catholique. Nous ne sommes pas des protestants. Mais seulement, nous étions en train d'adorer Dieu en esprit. On a eu beaucoup de problèmes avec les églises. On est allé prier. On demandait à Dieu, Dieu, dis-nous ce que nous devons faire. Alors on demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que ce qu'on a reçu, c'est réellement un esprit qui vient de toi? Mais pourquoi on a beaucoup de problèmes à cause de ça? Dis-nous si ce n'est pas le Saint-Esprit pour qu'on rentre à l'église catholique. Ou bien si être baptisé pour une seconde fois, ce n'est pas un péché pour qu'on aille. On est allé prier. Nous étions nombreux. Une semaine durant, Dieu ne nous a rien dit. On ne mangeait rien et on ne buvait pas. Et nous avons perduré là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont fatiguées, qui sont rentrées. Et nous sommes restés à 12. Et il y avait 7. Oui, 7 hommes. 8 hommes plutôt. Et 4 femmes. Et nous sommes allés en brousse. Nous nous sommes dit on ne va pas manger. Nous n'allons pas boire. Et nous n'allons pas rentrer à la maison. Jusqu'à ce que Dieu nous dira ce que nous devons faire. Nous sommes rentrés. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Nous étions en prière. Moi, je n'étais pas malade. Là, on était à genoux.
J'ai vu deux personnes venir. Oh, des merveilleuses personnes. Ils avaient une joie éclatante. Ils avaient un amour qu'ils pouvaient ressentir. Ils étaient très beaux. Ils n'étaient pas des blancs. Ils n'étaient pas des noirs. Ils avaient un visage exceptionnel. Ils sont venus là où j'étais à genoux. Ils m'ont dit, lève-toi, partons. Moi, je voulais vraiment partir avec eux. Parce que j'avais vu des gens qui était particulier. Alors que je voulais me lever, je sentais que je pesais beaucoup, je ne pouvais pas. Juste à cet instant-là, je leur ai dit, moi je pèse beaucoup, je ne peux pas. Mais j'essaye de me relever, je ne parvenais pas. On m'a dit, attends un peu. J'ai vu comme si j'étais habillé d'un manteau lourd. Et tout d'un coup, j'ai vu comme on m'a enlevé ce manteau-là, on l'a laissé. Et quand ce manteau est tombé, je me suis senti très légère. Et tout d'un coup, on a commencé à partir avec eux. Je n'ai pas su que j'étais mort. J'ai vu simplement que j'ai laissé un manteau-là. Alors que ce corps, c'est comme un habit. Et quand il est tombé par terre, nous sommes partis. Mes amis ont vu que j'étais tombé et je suis morte. Mais moi, j'ai vu comme j'ai enlevé comme un habit, j'ai laissé et je partais avec ces gens-là. Et alors qu'on était en chemin, je me regardais. Je regardais, j'avais un très très beau corps qui ressemblait vraiment au corps des gens qui m'escortaient. Alors je leur ai dit, mais bien aimé, donc il y a d'autres corps si merveilleux que ça. Oh, j'étais toute contente. Et ces gens m'ont dit, mais comment tu es étonné de ton corps? Tu ne lis jamais la Bible. Je leur ai dit, moi je ne sais pas lire la Bible. Ils m'ont dit, tu dis vrai. Celui qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas connaître les choses d'en haut. Mais seulement si tu lisais la Bible chaque jour, certainement tu serais déjà en connaissance de livre de 1 Corinthiens, 15e chapitre, 40e verset. Tu saurais déjà qu'il y a un corps glorieux céleste et un corps terrestre. J'aimerais que tu lises toi-même ta Bible parce qu'on n'a pas assez de temps. Et j'ai vu qu'on est parti. La première chose qui m'avait émerveillé, c'était mon corps, comment il était transformé. La deuxième chose, je ne me voyais pas comme un mort. J'avais toute ma conscience et mon intelligence. J'ai parlé avec ces gens-là. Ils me posaient des questions et je répondais. Moi, je posais de même des questions, ils me répondaient. Et je savais qu'on a quitté un endroit et on allait vers un autre endroit. J'aimerais te dire, si tu es chrétien, vraiment chrétien, ne crains pas la mort. La mort, ce n'est pas comme la mort, c'est juste un changement. C'est juste laisser ce corps et habiller le corps de gloire. Amen. Amen. Et après cette vie, il y a une très belle vie. Pour recevoir cette vie, il faut agir sur cette terre. C'est commencer ici. Et j'ai vu comment amener.
Oh, on m'a amené dans un pays. Oh, c'était très très beau pays. Oh, je ne sais pas comment te l'expliquer. Quand je regardais, j'étais tout étonné. Quand je regardais, j'ai dit à ces gens qui m'escortaient, mais un très très beau pays, c'est quel pays ça? Ils m'ont dit, le pays que tu vois, c'est ce qu'on vous parle chaque jour, le ciel, ceci. Bien aimé, la Bible, c'est la parole de Dieu. Que tu crois ou non, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et le ciel existe. Le royaume de Dieu existe. Et un jour, nous irons là-bas. Nous pouvons acclamer pour la gloire. Oh, j'ai vu des choses merveilleuses. Et quand j'ai regardé, j'étais étonné. J'ai regardé ce pays-là, ça n'avait pas de fin. Je regardais les maisons construites, je ne pouvais pas comprendre comment. Je leur ai dit, ici aussi, il y a des maisons comme chez nous. Ils m'ont dit, ça c'est le paradis de saints. Quand quelqu'un meurt là-bas, il vient se reposer ici, dans ce pays. Ici n'entre pas un païen. Ici n'entre pas un pécheur. C'est seulement des chrétiens qui sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. C'est ceux-là qui viennent se reposer dans ce pays. Et on était en train de parler avec ces gens. Ah, j'ai regardé par là où on venait, il y avait comme une espèce de voiture qui venait. J'ai regardé, j'ai posé la question, j'ai dit, ah mon Dieu, ici aussi il y a une voiture. On m'a dit, non, ça ce n'est pas une voiture. Ça c'est le char. C'est le char qui avait pris Élie, qui avait pris Enoch. C'est ce char qui va prendre les gens de Dieu, les hommes de Dieu qui meurent là sur la terre. Seulement ça ne prend pas des païens. Ça ne peut pas amener ici un pécheur. C'est seulement un chrétien saint. Je leur ai dit, moi aussi je suis chrétien. On m'a déjà baptisé. J'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas amené ici avec ce char là? On m'a dit, toi tu ne peux pas on ne peut pas t'amener ici avec ce char. Parce que toi, tu dois rentrer là chez vous. Parce que ça ne peut pas amener ici un homme comme toi. Ah, seulement quand tu deviendras sainte devant Dieu. Et là, on était en train de parler. Et ce char est rentré dans ce pays. Oh, j'ai écouté, on chantait. Oh, on était en train de faire des yu-yu. Oh, il y avait des instruments, je ne sais pas de quel genre. J'avais une très grande joie dans mon cœur. Je voulais voir ces gens-là qui chantaient et qui jouaient aux instruments. Mais seulement on n'a pas voulu que j'y entre. On m'a arrêté juste à l'entrée. Et j'ai vu que de là venait un homme, un grand, un géant. Et il était vraiment brillant. Alors j'essayais de le regarder. Je ne pouvais pas voir son visage parce que ça brillait fortement. Et il est venu devant moi. Il m'a dit, vous avez vraiment bien prié.
Kwa nini mnajua kuomba mzuri namna hii? Mais comment vous savez très bien prier comme lakini ceci? Hamupende kufanya hivyo kila siku. Mais seulement vous ne voulez pas le faire ainsi chaque jour. Nikasema sasa, tulipoomba mulitusikia, kasema kwa nini tusiwasikie? Et alors j'ai dit, donc quand on priait là, vous nous écoutez, il dit, mais pourquoi pas? Nikasema nawaza Mungu yuko mbali sana. Et j'ai dit, mais moi je crois que Dieu est très loin. Akasema Mungu haiko mbali na watu. M'a dit non, Dieu n'est pas loin de ses enfants. Mungu ni pamoja na watu wake. Dieu est au milieu de ses enfants. Na mnapoomba Mungu anawasikia. Et quand vous priez, Dieu vous écoute. Nikasema kwa nini hamukutujibu maombi? Et je lui ai dit mais pourquoi vous n'avez pas répondu à nos prières? Akaniuliza kwa nini mulikatala kubatizwa? Et lui aussi m'a posé la question mais pourquoi vous avez refusé de vous faire baptiser? Nikasema tulisha batizwa hatuweze kubatizwa mara mbili. Je lui ai dit mais écoute, on nous a déjà baptisé, on ne peut pas se faire baptiser une seconde fois. Akaniuliza ubatizo gani mulipata? Et il m'a posé la question c'est quel genre de baptême vous avez reçu? Nikasema ni maji juu ya kichwa. J'ai dit on nous a versé juste de l'eau sur la tête. Mais mujina ya baba na mwana na roho. Mais c'était seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Akaniuliza sasa muko ba Kristo? Nikasema ndio. Et il m'a posé la question est-ce que vous êtes vraiment des chrétiens? J'ai dit oui. Nikasema akaniuliza Yesu alibatizwa ubatizo gani? Il m'a dit Jésus était baptisé de quel genre de baptême? Nikasema sijui ubatizo wa Yesu. J'ai dit en tout cas ça, je ne connais pas le baptême de Jésus. Aliniambia Yesu alibatizwa katika mto wa Jordan. Il m'a dit Jésus était baptisé dans le Jourdain. Ndani ya maji mengi. Dans l'eau qui coule. Dans quand tu suis Jésus-Christ, vas-y faire comme Jésus a fait. Il a été baptisé par immersion. Vous aussi, allez-y qu'on vous fasse baptiser ainsi. Et c'est là le vrai baptême. Et c'est ce qui existait depuis longtemps. Seulement parce que les gens sont en train de changer des choses. C'est pourquoi il y a plusieurs façons d'être baptisé. Mais seulement le vrai baptême, il y en a un seul. C'est seulement par immersion. L'image de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. Je n'avais plus quoi dire. Il m'a introduit dans ce pays. Bien-aimé. Oh, j'étais étonné. Oh, Dieu reste Dieu. Et le royaume de Dieu existe. Et un jour, nous irons ensemble. Je voyais un pays qui était à perte de but. Je voyais, il y avait beaucoup de gens dedans. Des gens qui étaient beaux. Ils avaient une joie débordante. Ils étaient en train de chanter pour Dieu. Et ils utilisaient des instruments que je ne comprenais pas. Bien aimé, chante, continue à chanter pour Dieu. Toi qui sais bien jouer aux instruments, fais-le encore. Parce que même là-bas, on chante. Et la Bible dit toute chose va s'arrêter. Mais seulement au ciel là on restera en train de le louer. Et si tu es chanteur, chante encore. Si tu sais jouer aux instruments, fais-le, c'est bien, c'est louer Dieu. Il m'a dit, regarde les saints. Les gens qui étaient morts chez vous. Et vous pleurez là-bas, vous disiez qu'ils sont morts. Angalia, face wana pumuzisho. Regarde là où ils sont en angalia, repos. Furaha wako nae. Regarde la joie qu'ils ont. Angalia, namna wanangaa. Regarde comment ils sont et brillent. Na namu, bado hawajangaa. Et il m'a dit, d'ailleurs, jusque-là, ils n'ont pas encore connu le grand éclat. Ils n'ont pas encore connu la grande joie. Parce qu'ils n'ont pas encore vu le Seigneur. Et le jour qu'ils le verront, ils seront encore plus beaux que maintenant. Oh, j'étais toute contente. Bien aimé. Oh, le ciel existe. Allons-y au ciel. Amen, amen. Amen.
Yo. Bien-aimé. Il m'a dit, regarde là où ils sont en repos. Et un jour, ils quitteront cet endroit. Ils iront maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Et là, ils seront encore plus éclatants qu'ici. Et j'ai vu, on m'a enlevé de là. Mais viens, on va te montrer la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, j'étais tout étonné. J'ai regardé le pays. C'était comme des vitres qui brillaient à mesure. Et je voulais regarder, mais je ne pouvais rien comprendre. Et dans ce pays, il y avait une rivière. C'est une rivière qui arpentait le. Et l'eau était toute éclatante. Je n'ai pas traversé cette ville. J'ai vu simplement que je suis rentré dans ce pays. J'ai regardé. J'ai vu, c'est comme quelque part où on a étalé de l'or pur. Et partout il y avait de l'or. Partout il y avait de l'or. J'ai dit, bon, je vais essayer quand même de marcher là-bas. J'ai dit, bon, j'essaie de marcher pour voir si je vais marcher comme on marche sur la terre. Mais seulement je n'ai pas pu. C'était en train de vaciller. On m'a dit, toi tu ne peux pas marcher dans ce pays. Parce que personne n'y est déjà entré. Là c'est l'endroit que Dieu a préparé pour les saints. C'est ici l'endroit où Dieu vivra avec Jésus-Christ, avec tous les saints. Et il y aura une joie. Joie sans fin. Tumewekewa makao mazuri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tumewekewa makao mazuri. Et nous avons, on nous a déjà préparé un bon endroit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Utayaona siku moja. Ah, un jour, tu verras ça. On m'a dit, c'est ici que les saints vivront avec Dieu éternellement. Mon Dieu, viens, on va te montrer où sont les pécheurs qui meurent là sur la terre. J'ai vu un endroit, il y avait comme un grand trou. Et ce grand trou, il y avait comme du sang. Et les gens qui étaient dedans, ils exprimaient une grande douleur. Et ils étaient en train de se gratter comme s'il y avait des insectes qui les piquaient. Et on m'a dit, tu vas écouter les pleurs des pécheurs. Et ils étaient en train de pleurer en disant, oh le Seigneur Dieu. Il est bon que tu nous prennes de cet endroit et que tu nous jettes dans le feu et qu'on se consume, qu'on se termine. Ils m'ont dit que ça c'est un mensonge. Le feu ne s'éteindra jamais. Et le corps des pécheurs ne se consumera jamais. Ils seront en train d'être brûlés pour l'éternité. Et ils m'ont dit, maintenant, c'est ici que tous les pécheurs, quand ils meurent sur la terre, ils viennent attendre. Et ils attendent ici le feu de la Géhenne. Et comme les chrétiens attendent au paradis, et eux attendent ici. Et jusqu'à ce qu'on va ouvrir le feu. Et ce feu-là sera ouvert
Uniquement le dernier jour. Bien-aimé, j'ai pleuré. Et on est allé maintenant me montrer le feu dans la guerre. J'ai vu des choses comme des fûts. J'ai vu sept fûts. On m'a dit ces sept fûts, ça conserve le feu de la guerre. Et le feu est gardé là-bas. Ça sera ouvert un seul jour. Et ça sera la fin du monde. On m'a dit, tu ne vas pas simplement voir ces fûts. Et maintenant, tu vas écouter ce qui est gardé dedans. J'ai vu, ils ont pris quelque chose qu'ils ont jeté dedans. Et il y a eu comme un grand bruit, ce feu-là s'est déchaîné. Ça produit un grand bruit, plus que le bruit de tonnerre. Et j'ai fui. Et je courais vers ces gens qui m'escortaient et eux fuyaient aussi. Et je fuyais vers eux, ils m'évitaient. Et j'ai couru, je suis allé tomber quelque part. Et quand je suis tombé là moi-même dans mes pensées, je croyais que j'étais déjà dans le feu. Là. Et ils sont venus, ils m'ont relevé. Ils m'ont dit, tu as fui le bruit du feu seulement. Et le jour où on va ouvrir ce feu, et les pécheurs, où est-ce que vous allez fuir? On vous prêche chaque jour. Vous ne voulez pas écouter. La Bible est écrite. Vous ne voulez pas la lire. Vous allez à l'église. Mais vous ne changez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Dieu a déjà préparé le feu depuis la création du monde. Et c'est seulement pour les pécheurs et les non-croyants. On m'a dit, viens voir là où vos œuvres vous attendent. J'aimerais que tu m'écoutes bien ici. Et j'ai regardé, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une armoire. J'ai vu, on a appuyé comme on appuie un bouton. Et cette armoire s'est ouverte. J'ai vu qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de papiers dedans. On m'a dit, tu vois ces papiers. C'est là qu'il y a le dossier de chacun. Toute personne qui vit ou qui a vécu sur la terre, son dossier est là. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois grand, que tu sois jeune, ton dossier est là-bas. Et là, il y a juste deux chemins. Le premier, c'est pour entrer au ciel. Et le deuxième, c'est pour aller en enfer. Et chaque personne qui meurt doit passer par là. Quand il arrive par là, il prend son dossier. Et quand tu termines de lire ton dossier, tes œuvres vont te montrer la voie que tu dois prendre. Si tu es saint, ta voie est là. Et tes œuvres vont te montrer. Et si tu es païen, tes œuvres aussi te montreront ta voie. Avant que Dieu ne te juge, tu seras jugé par tes œuvres. Si tu ne sais pas lire, c'est là que tu apprendras à lire. Si tu étais aveugle, né aveugle, c'est là que tu vas voir et tu vas lire. Ce n'est pas Dieu qui va lire ton dossier. Toi-même, tu vas le lire. Deuxième chose. Il n'y aura pas un parent avec son enfant. Il n'y aura pas un pasteur avec son fidèle. Il y aura seulement toi, Dieu
et tes œuvres. Oh. Uchungu sana. Oh, c'est très amer. Sikujua kusoma. Je ne savais pas lire. Tangia kuzaliwa kwangu. Depuis que j'étais né. Sikuingia shule. Je n'ai pas été à l'école. Sikujua kuangalia mkitabu. Je ne savais même pas lire. Mimi niliangalia nikaona dossier yangu pale. J'ai regardé, j'ai vu mon dossier. Inafunguliwa. Qui était ouvert. Nikasoma. J'ai lu. Mama Domitila. Mama Domitila. Chini ya jina langu. Et en dessous de matendo yangu yo. Toutes mes œuvres. Tangia ujana wangu. Depuis ma jeunesse. Mpaka ile siku. Jusque ce jour-là. Nilipoangalia nilianza kutetemeka. Et je regardais, je commençais à trembloter. Nikaanza kulia. J'ai commencé à pleurer. Nikaangalia chini nisisome dossier yangu. Je voulais éviter le dossier de mes yeux pour regarder en bas. Niangalie dossier yangu iko pale. Et je regardais en bas, le dossier était encore là. Nikasema niangalie nyuma niache kusoma dossier. Je voulais encore regarder par derrière juste pour que je ne lise pas. Niangalie dossier yangu iko kila mahali. J'ai regardé et partout mon dossier y était. Nikaanza kulia machozi. J'ai commencé à pleurer amèrement. Nifanye nini? Qu'est-ce que je dois faire? Angalia zambi zangu zimekwisha kuandikwa. Et regarde mon péché, mes péchés sont déjà écrits. Nitafanya namna gani kusudi nisamehewe zambi? Qu'est-ce que je dois faire pour que je reçoive le pardon? Eh, wakasema chunga kidogo. On m'a dit attends un peu. Nikaona kitu mfano wa television. J'ai vu quelque chose qui ressemble à un écran de télévision. Sana. Un grand. Nikaona banafanya kama anapiga buton. J'ai vu qu'il a appuyé comme sur un bouton. Naona ile télévision inafunguliwa. J'ai vu la télévision s'allumer. Yo ndugu yangu we. Oh bien-aimé. Nililia machozi. J'ai pleuré. Niende kuangalia maandiko inatokea. Et tout de suite, il y a des écrits qui apparaissaient sur l'écran. Banaandika matendo yako. Oh, c'était écrit tes œuvres. Niende kuona mimi mwenyewe natokea. Et tout de suite, j'ai vu moi-même, j'étais dedans dans l'écran. Naona sasa naanza kufanya défiler pale mbele yangu. Ma vie était en train comme de défiler là-bas dans yes, l'écran. Yes, naona vitu vyote nilifanya hapa duniani. Bien-aimé, je vois tout ce que j'avais fait. Maisha yangu yote. Toute ma vie. Nikaanza kulia. Oh, j'ai commencé à pleurer. Kama ni kitu ya mutu niliiba. Si c'est une chose de quelqu'un que j'avais volé. Na namna niliiba. Même comment j'avais volé ça. Niko naangalia tu. Je vois ça apparaître. Kama ni mutu tulikuwa na gombana. Si c'est quelqu'un avec qui on s'est bagarré. Tuko tunagombana pale pale. Et j'ai vu comment on s'est bagarré là. Kama ni busharati nilifanya. Si c'est l'impudicité que j'ai commis. Na yule mwanaume na namna mambo inafanyikaka. Et même l'homme avec qui on a fait, comme les choses se font. Yo, bien aimé, Nililia. J'ai pleuré. Wananiambia angalia. On m'a dit, regarde. Unalia. Tu pleures. Na siku na saa na minuti. Donc, tout apparaît, le jour, l'heure, la minute. Yote yuko inapitika pale. Tout défile là-bas. Na kitu kilinirumiza sana. Et ce qui m'a vraiment touché. Mambo nilifanya mujana wangu. Les choses que j'avais faites dans mon jeune âge. Niliyaona ni kama nayafanya leo. Je voyais ça comme si je venais à peine de le faire. Yo, nikauliza wale watu. Oh, bien aimé, je posais la question. Nifanye nini? Qu'est-ce que je dois faire mambo yangu isamehewe mbele pour que ces choses soient pardonnées devant Dieu? Waliniambia kusamehewa kwako ni kwa ungali kule kwenu dunia. On m'a dit le pardon ne s'obtient que quand tu es sur la terre dans le monde. Nasema munirudishe haraka niende kutubu zambi. Je leur ai dit retournez-moi tout de suite pour que j'aille confesser mon péché. Napenda kwenda niende kutubu zambi. J'aimerais retourner là pour confesser mon péché. Waliniambia eh unalia sababu na yaona. Ils m'ont dit tu pleures parce que tu y as vu. Mais kila siku hauhubiriwe. Et chaque jour, on ne te prêche pas. Kwa nini haubadiriki? Pourquoi tu ne changes tangia pas leo. À partir d'aujourd'hui, ujue macho ya Mungu. Sache que les yeux de Dieu, ni mfano wa kamera. C'est comme une caméra. Inatembea pamoja na wewe. Ça kila uendapo. Avec toi partout où tu vas. Kila mahali unaishi macho ya Mungu yako pamoja na. Partout où tu vis, les yeux de Dieu sont là. Na siku moja utajikuta jinsi ulivyo. Et un jour tu te verras comme tu vis. Utalia Mungu amekusingizia maana utakuwa unaona mambo yako wazi mbele yako. Tu vas pleurer parce que tu vas commencer à voir toi-même de tes propres yeux ta vie. Je leur ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, retournez-moi pour que j'aille demander pardon. Et l'amertume, c'était que je rentre.
Et j'ai vu ma sortie de cet enfant. On m'a montré beaucoup de choses. Mon temps est presque fini. On m'a montré des enfants qui sont morts sur la terre. Des enfants qui sont morts parce que des femmes ont avorté. Bien-aimés, les mamans qui avortent. Sachez que c'est un péché devant Dieu. Et ses enfants sont au ciel. Ils t'attendent avec les produits que tu as utilisés pour provoquer l'avortement. C'est un péché et c'est tuer. Et si tu es chrétienne, tu n'es pas censé faire cela. Et un jour, tu vas être en jugement avec ses enfants. On m'a montré les religions des gens sur la terre. Comment nous avons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les gens se divisent en dénominations, en des groupes. J'ai posé la question, tous ces groupes, c'est quoi? On m'a dit ça, c'est les catholiques, ça, les protestants. Mais pourquoi ils sont divisés en groupes? Et on m'a dit, mais c'est ce que vous dites là chez vous sur la terre. Vous dites, non, nous sommes des anglicans, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes ceci. J'ai dit, mais est-ce que ça c'est aussi un péché? Ils m'ont dit, ce n'était pas un péché. Mais seulement il y a un péché en nous. Ils n'ont pas l'entente. Ils n'ont pas l'amour. Ils aiment plus leur dénomination. Et ceux-ci aiment aussi leur dénomination. Et ça ne plaît pas à Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aller au ciel. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on ait l'entente. Et qu'il y ait l'amour. Les catholiques avaient leurs affaires. Ils avaient beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de vous en parler. Seulement, ils avaient beaucoup de fardeaux qui pesaient. Ils étaient en train de dormir dans la maison de Dieu comme des cadavres. Et j'ai posé la question, c'est quoi ça? On m'a dit, ceux-là, ce sont des ivrognes et des gens qui fument la cigarette. Je leur ai dit, mais ça aussi c'est un péché devant Dieu. On m'a dit, tout ce qui peut détruire le corps d'un homme, c'est un péché devant Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas boire ça ni fumer. Pour détruire le corps. Quand tu tues ton corps, Dieu n'est pas content. Je leur ai dit, mais la vraie religion, c'est quoi? On m'a dit, la religion, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est suivre Dieu. On m'a dit, non. Suivre Dieu, c'est suivre la parole de Dieu. Et nous, ici, on ne connaît pas vos religions. C'est pourquoi quand on vous dit abandonner telle chose, vous dites non, ma religion ne m'interdit pas ça. Dieu aime le chrétien, mais Dieu ne connaît pas ta religion. Seulement le chrétien qui croit en Jésus-Christ.
J'ai vu, on m'a sorti cette année. On m'a montré beaucoup de choses. On m'a montré le groupe de pasteurs. Et qui était en train de parler concernant le mariage de chrétien. Ils étaient en train de discuter sur le problème de mariage à l'église. Bon, c'est quoi le vrai mariage et c'est quoi le faux mariage? Et ses pasteurs étaient en train de parler concernant le mariage. Mais seulement, c'est lui qui m'a dit. Ma discussion est à nini. Toutes ces discussions, pourquoi? Mariage ni moya tu. Le mariage est unique. Kwa nini ma discussion ya mingi? Mais pourquoi toutes ces discussions? Mungu aliumba mume na muki. Dieu a créé l'homme et la femme. Ile mambo ya ba divorce ya mambo mingi ya kujiuliza ni mariage ya mzuri mariage ni ya nini? Ces affaires là des divorces, c'est poser des questions, le vrai mariage c'est quoi? Aina na maana ndoa ni moja tu. Ça n'a aucune importance, le mariage est unique. Qu'ils parlent de beaucoup de choses, mais le mariage reste unique. Pour terminer, parce que mon temps est très court, si tu veux bien écouter tout, tu vas prendre le livre. On m'a montré maintenant ici sur la terre. J'ai regardé cette ténèbre. J'ai regardé dans ces ténèbres, il y avait des choses qui se promenaient comme des porcs. Ça mangeait des histoires sales. Et ça marchait dans la boue. Il m'a posé la question, c'est quoi? Je leur ai dit, bon, là, ce sont des porcs que nous élevons chez nous. Ils m'ont dit, non, ce ne sont pas des porcs. Ce sont des hommes, des gens que tu as laissés sur la terre. Mais hawako wa Kristo. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ni wapagani na wenye zambi. Ce sont des païens et des pécheurs. Mwenye zambi. Un pécheur. Mupagani. Un païen. Ule vizuri. Que tu manges bien. Uvale vizuri. Que tu t'habilles chiquement. Kama hauyatubu zambi ndani ya moyo wako. Si tu n'as pas confessé ton péché. Mbele ya Mungu ni kama nguruwe inakula mchafu. Devant Dieu, c'est comme un porc qui est en train de te souiller dans la saleté. Mwenye zambi hana heshima kwa Mungu. Devant Dieu, un pécheur n'est pas respectable. Mupagani jina yake haijulikane mbinguni. Un païen, son nom n'est même pas connu au ciel. Afanye nini wewe mtajiri wa namna gani? Que tu sois riche. Comme n'importe qui. Si tu n'as pas Jésus, oh, c'est vraiment dommage pour toi. J'ai vu, on m'a montré quelque chose. Il y avait comme la peau d'un bœuf qui était jetée là. On m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais là, c'est la peau d'une vache qu'on a jetée. On m'a dit, non, 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 ce n'est pas la peau d'une vache. Voilà, c'est ton corps qui est étalé. À partir d'aujourd'hui, sache que ton corps, c'est la poussière et ça va retourner à la poussière. C'est la poussière, ça va retourner à la poussière. Il est très important que tu puisses réjouir ton âme, ton corps. Et au lieu de rejouir seulement ton corps. On va terminer parce que vraiment, le temps... Ok, juste on va une petite pause parce qu'on m'a dit qu'on enregistre là derrière. Ok, on va en pied. Ok, alors on va reprendre dans quelques minutes. Par là, on a arrêté. Parce qu'ils sont en train d'enregistrer. Ok. C'est bon? Amen. Amen.
Musiogope namaliza. Ah, ne craignez pas, j'ai terminé. Musiogope sasa zingine saa yenu imeenea. Peut-être votre temps c'est déjà. Sasa ni pale mimi nikaona bananionyesha mwile giza mlikuwa matara kidogo kidogo sawa vile unaona hapa. Quand j'ai regardé dans ces ténèbres qui étaient au fait la terre, j'ai vu qu'il y avait des petites lumières qui brillaient. Mimi nikauliza ile matara kidogo kidogo inawaka ndani ya giza. J'ai posé la question. Alors ces petites lumières là qui brillent dans ces ténèbres, c'est quoi? Wananiambia ile unaona matara kidogo kidogo yanangaza ndani ya giza ni Wakristo wanaishi duniani. Ils m'ont dit, les petites lumières que tu vois dans ces ténèbres, ce sont les chrétiens qui vivent dans le monde. Amen. Amen. Mukristo mahali ulipo. Chrétien ou chrétienne là où tu es. Mungu anakuona kama nuru inangaza ndani ya giza. Dieu te voit comme la lumière qui brille dans les ténèbres. Wakati tunaomba Mungu. Quand nous prions Dieu. Ndani ya kweli. Dans la vérité. Katika uhaki. Dans la vérité. Mungu anatuona kama nuru inangaza ndani ya giza. Dieu nous voit comme la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Akaniambia Mukristo mahali alipo. Et il m'a dit, le chrétien là où il est, Mungu anamuona kama nuru, kama Dieu le voit comme la lumière, comme une lampe. Hata ukue nyuma ya mungini. Même si tu es derrière quelqu'un. Hata ukue katika nyumba haina taa. Même si tu habites une maison non éclairée. Lakini uko ndani ya Yesu. Mais tu vis en Jésus-Christ. Mungu anakuona mtu wa heshima. Dieu te voit un homme respectable. Alléluia. Amen. Oh. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Na ndio maana neno la Mungu linasema. C'est pourquoi la parole de Dieu que j'ai dit. Wakati kanisa litaenda mbinguni. Quand l'église sera enlevée. Wakati Yesu anachukua kanisa lake. Quand Jésus-Christ va enlever son église. Giza itaingia katika dunia. Les ténèbres vont envahir la terre. Mais hatutaenda na kura. Nous n'irons pas avec l'électricité. Itabakia. L'électricité va rester. Biblia inasema giza itaingia. Mais la Bible dit qu'il y aura des ténèbres. Kwa sababu kanisa la Kristo limeenda. Parce que l'église sera enlevée. Maanake sisi ni nuru ya ulimwengu. Parce que nous sommes la lumière du monde. Ndio maana hatuweze kujikamata jinsi tunapenda. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous conduire comme nous voulons. Maana tunapashwa kuangazia dunia mzima. Parce que nous devons éclairer pour tout le monde. Neno la Mungu linasema batabaangalia kwa matendo yenu kwa mwenendo wenu. Dieu, et la parole de Dieu dit on va vous observer par votre vie, votre comportement. Ndio maana hatuweze kujichanga na watu wa dunia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mélanger aux païens. Hatuweze kujiiga mwendo wa watu wa ulimwengu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre comment les païens marchent. Watakuya kujiiga kwetu. Ce sont eux qui vont venir vers nous pour voir comment nous marchons. Sio sisi tutaenda kubahika. Ce n'est pas nous qui vont aller prendre comment vivre chez eux. Tusijivange pamoja na watu wa dunia. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec la vie du monde. Tuko watu wa ajabu. Parce que nous sommes des personnes merveilleuses. Tafuta kutafuta mambo ya dunia. Nous ne devons pas commencer à chercher les choses si, du monde. Si, watu wa dunia. Parce que nous ne sommes pas du si, monde. Si, ni watu wa mbinguni. Nous sommes les gens de Dieu. Biblia inasema sisi wenyeji wetu ni huko mbinguni. La Bible dit que nous, notre bonheur c'est au ciel. Baada ya mambo hayo, après ces choses, akaniambia, il m'a dit, ninataka kukuambia maneno mawili. Je vais te dire deux choses. Niliona bibi kitabu munene sana. J'ai vu un grand livre. Ilikuwa munene. C'était très grand. Wananiambia unaona hiyo kitabu. On m'a dit tu vois ce livre? Hiyo ndio inaandikwa majina ya watakatifu. C'est là que t'écrit les noms des saints. Mtu ambaye jina yake haitapatikana. La personne dont le nom ne se retrouvera pas là-bas. Haweze kuingia ufalme wa mbinguni. Ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Na ile jina inaandikwa tangia siku unaamini Bwana Yesu Kristo. Et le nom rentre là-bas le jour que tu crois au Seigneur Jésus. Kama jina yako haiko humo. Si ton nom n'est pas là. Haweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Biblia ni neno la Mungu. La Bible c'est la parole de Dieu. Walinionyesha mambo mengi. On m'a montré beaucoup de choses. Siweze kuendelea. Je ne peux pas continuer. Lakini même ule mtu munene mrefu. Mais la personne grande. Akaniambia nikuambie leo unataka kurudia. Et m'a dit je te dis aujourd'hui comme tu vas rentrer. Wende uambie batu.
va dire aux gens. Usiongeze mambo uliona. N'augmente pas à ce que tu as vu. Usipunguze. Ne diminue pas sema ce que jinsi tu as vu. Uliona. Mais dis exactement comme tu l'as vu. Neno ya pili ambia watu. Et deuxième chose que tu diras aux gens. Baada ya maisha muko nayo kule. Après la vie que nous avons ici. Kuko maisha ingine mbingu. Il y a une autre vie au ciel. Maisha ya aina mbili. Et il y a deux sortes de vie. Maisha mzuri. La bonne vie. Maisha mbaya. Et la mauvaise vie. Lakini kupata ile maisha mazuri. Et pour recevoir cette bonne vie. Niko yatafuta ungali hapa duniani. C'est rechercher ça aussi longtemps que tu es sur la terre. Ukitaka kuishi maisha mazuri mbinguni. Si tu veux avoir une bonne vie là aussi. Tubu dhambi zako. Confesse ton péché. Amini Yesu Kristo. Crois en Jésus Christ. Tembea katika mapenzi ya Mungu. Marche selon la volonté. Usipopenda. Si tu ne veux pas. Jehanami nakungoja. La gaine t'attend. Neno la tatu. La troisième. Wendo ambie batu. Va dire aux gens. Kama unataka kuomba Mungu. Si tu veux prier Dieu. Usiombe chapelet. Ne prie pas le chapelet. Usiombe mujina ya mtu mwingine. Ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre. Awe mtakatifu mbinguni. Que ça soit un saint au ciel. Usiombe mujina ya mtu fulani. Ne prie pas au nom de quelqu'un. Neno la tatu. La troisième. Usipige magoti yako mbele ya sanamu. Ne t'agenouille pas devant les idoles, devant des représentations. Kama unataka kuomba Mungu. Quand tu veux prier. Omba Mungu Baba katika jina la Yesu. Demande à Dieu au nom de Jésus. Kama Yesu hakuna. Si Jésus n'y est pas. Hakuna kitu. Il n'y a rien. Uwe na vyote. Que tu aies tout. Me, kama Yesu haiko katika maisha yako. Si Jésus n'est pas dans ta vie. Maisha yako ni ya kipovre. Oh, ta vie c'est la vie des pauvres. Nikauliza mtu ule. J'ai posé la question. Munene mulefu. Celui qui était grand, j'ai dit. Nikamuliza wewe ni nani? Je lui ai dit mais toi c'est qui? Akaniuliza kwa nini unataka kunijua? Il m'a dit mais pourquoi tu veux me connaître? Nikasema nataka kujua Mungu yuko wapi. Je lui ai dit mais je veux connaître où est Dieu. Maana nina neno ya kumuuliza. Parce que j'ai quelque chose à lui dire. Akasema sema Mungu atakusikia. Il m'a dit mais parle seulement Dieu va t'écouter. Nikasema mulisema hapa ni mbinguni. J'ai dit mais vous avez dit qu'ici c'est le ciel. Nataka kuona Mungu nimwambie neno moja. Je veux absolument voir Dieu et que je lui dise quelque chose. Akasema sema Mungu atakusikia. Il m'a dit non, parle Dieu va t'écouter. Nikasema nataka kuona. J'ai dit non, il faut que je le voie. Ule mtu aliniambia. Cet homme m'a dit. Biblia inasema. La Bible dit. Kama mtu ame niona mimi. Quand quelqu'un me voit. Amemwona baba yangu. Il voit le Père. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh, nikasema wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. J'ai dit donc toi c'est Jésus-Christ le fils de Dieu. Nikaanza kuomba. J'ai commencé à prier. Nikasema nina neno moja tu. Je lui ai dit j'ai juste quelque chose à demander. Mimi sina mtoto. Je n'ai pas d'enfant. Lakini naomba Mungu anipatie mtoto. Que Dieu me donne un enfant. Akaniuliza hiyo tu nikasema hiyo. Il m'a dit mais c'est juste ça, j'ai dit oui juste ça. Na ndio ilikuwa napenda nione Mungu nimwambie. Et c'est ce que je voulais voir Dieu pour le lui dire. Maana sikuwa na mtoto. Parce que je n'avais pas d'enfant. Akasema OK. Il m'a dit OK. Alinionyesha mambo mengi. Il m'a dit beaucoup de choses. Siyasemi. Je n'ai pas dit ça. Kama unapenda usome kitabu. Si tu veux tu vas lire le livre. Ule mtu munene akaambia wale watu wawili walinipeleka. Et cet homme grand géant a dit aux deux personnes qui m'excusent. Mumukamate sasa mumurudishe. M'a dit OK vous l'amenez maintenant vous la retournez. Nikaona wananikamata na nguvu. Ils m'ont pris de force. Nililia sana. J'ai pleuré. Sikupenda kurudia. Je ne voulais pas retourner. Lakini walinikamata kama vile polisi inavyochukua watu. On m'a pris comme la police tenaille les gens. Parce que j'ai refusé, je ne voulais pas retourner. Ils m'ont pris de force. On m'a retourné. Jusque là où j'avais laissé mon manteau. C'était là étalé. Je ne voulais même pas regarder ça. Je voyais ça très laid. Je ne voulais même pas regarder à ça. Mais pour m'introduire dedans. Mais c'était toute une lutte. On m'a pris de force. J'ai lutté. Mais parce qu'ils étaient à deux et ils avaient vraiment la force. Ils m'ont introduit des forces.
Maramoja ni kalamuka. Et tout d'un coup, j'ai regardé, j'étais ressuscité. Ni angalie. J'ai regardé. Yo. Oh. Alléluia. Amen. Oh, Mungu mzuri ndugu. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Nilikuta mwili wangu naanza kuoza. Mon corps pourrissait déjà. Fasi yote ya kufunikwa, fasi yote ilikuwa naanza kutoa madudu. Partout on avait bouché parce que partout ça puait déjà. Oh, ça sortait des insectes. Nasikia vitu vinatembea. Et je sentais des choses se promener sur mon corps. Siwezi tena kusema. Je ne pouvais pas parler. J'étais en train de crier seulement. Dieu reste Dieu. La deuxième chose qui m'avait. J'ai vu que j'étais dans la maison étalée. On m'a déjà couvert d'un drap blanc. Et les gens fuyaient déjà. Parce que le corps puait déjà. Et les gens étaient loin là. À l'extérieur. Et j'ai crié. Kama vile nilikuya niko na katala kuingia ndani ya mwili niko nalia na nililamuka niko nalia. Ah, ok. Comme j'ai en revenant, j'étais en train en fait de lutter et j'ai crié pour ne pas revenir. Et quand je suis ressuscité avec ces cris-là. Et les gens ont écouté seulement, j'ai crié. Watu tena. J'ai pas vu ces gens-là. Watu wanakuja, wako wanalia. Et les gens venaient pour en prendre. La première personne qui est venue et qui m'a accueilli, c'était mon mari. Hata kama nilikuwa nanuka, kini hakuweza ku, alijiforce. Même quand, comme j'ai pué. Il ne pouvait pas m'en laisser, il s'est forcé, il est rentré. Il a montré vraiment un amour. Amen. Et je suis ressuscité. C'était un grand. Et j'ai dit, mais c'est quoi? On m'a dit, mais tu étais morte 4 jours durant. Je leur ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas enterré? On était en train de prier. Oh, j'étais morte quand on était en brousse. On m'a sorti de là. On m'a retourné à la maison pour aller m'enterrer. Et pendant qu'il priait, Dieu a dit, ne l'enterrez pas. Laissez-le là. Je l'ai prise. Je vais la retourner. Et c'est pourquoi on ne m'a pas enterré. Oh, quand je me suis levé, c'était une grande lutte. Et toutes les 12 personnes avec qui on était en prière, on voulait les tuer. Oh, parce que vous avez tué quelqu'un en brousse là où vous étiez supposé aller prier et vous ne voulez pas l'enterrer. Et il commence à puer même. Et c'était une lutte. Et Dieu m'a retourné. Dieu connaît toutes choses qui se passent sur la terre. Et je suis resté 3 semaines. Et mon corps s'est reconstitué. J'ai pris la force. Je n'étais pas allé à l'hôpital. La chose que j'ai faite, j'ai confessé mon péché. C'était une grande réunion. Il y avait des gens qui venaient de partout. Et j'ai témoigné là-bas. Et avant de témoigner, j'ai demandé la Bible. J'ai dit, j'ai lu mon dossier au ciel. Donnez-moi la Bible. Parce que quand j'étais allé, j'ai lu. On m'a donné la Bible. Ah, les mêmes choses que j'avais lues là, c'est la Bible. J'ai commencé à lire. Batu banashanga. Les gens étaient étonnés. Nasema munipe ingine. J'ai dit donnez-moi un autre. Bananipa ingine nasoma. On m'a donné un autre livre. J'ai Batu balitetemeka. Les gens tremblotaient. Mana balinijua. Parce qu'ils me connaissaient. Si kuingia shule hata siku moja. Je n'ai jamais été à l'école même un seul jour.
Watu waliangalia walishindwa. Et les gens étaient étonnés. Nikasema mambo niliona mbinguni kule nitayasema. Je leur ai dit, les choses que j'ai vues là-bas, je vais les dire. Et j'ai commencé à témoigner. Les choses que j'ai vues là-bas. Et je leur ai dit, allez-y, vous allez me baptiser par immersion. Parce que Dieu m'a dit de me faire baptiser par immersion. Je ne me suis pas fait baptiser seul. Ah, on nous a baptisé près de 100 personnes. Parce que beaucoup de pasteurs étaient là pour baptiser. Beaucoup de gens ont cru. Beaucoup de gens ont confessé. Beaucoup de gens ont accepté le baptême par immersion. À partir de ce jour, je suis devenu une chrétienne. Une chrétienne qui va au ciel. Je ne suis pas une chrétienne d'une religion quelconque. Parce qu'au ciel, on ne m'a pas dit la vraie religion. On m'a dit le chrétien qui marche avec Jésus-Christ. Et je leur dis, j'irai au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai vu avec mes yeux. J'ai marché de mes pieds. J'ai visité le ciel. Et un jour, je vais retourner là-bas. Partons au ciel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose. Permettez-moi de terminer ensemble. Quand je m'étais réveillé, j'ai regardé. Et j'étais vraiment seul dans la maison. D'autres ont fui. Yo, oh, bien aimé, c'est amen. Juste parce que j'ai pué, ils ont fui. J'avais mon mari qui m'aimait beaucoup. Mon mari aussi, à cause de l'odeur, il ne pouvait pas supporter, il s'est éloigné aussi. J'avais des frères et sœurs avec qui je suis né de la même mère, qui m'aimaient beaucoup. Et quand j'étais morte, elles ont fui. J'avais des amis. Quand mon corps puait, ils ont fui. Bien aimé, je vais te dire une chose, tu n'as pas de vrai frère. Tu n'as pas de vrai amis. Tout cela que tu as, ce sont des voisins et des voisines. Nous avons un seul frère. Celui qui nous aime tant. Même si tu pues, il ne peut pas t'abandonner. Même dans le sépulcre, il est avec toi partout. Même si tu souffres d'une maladie contagieuse, il ne peut pas te craindre. Il ne va pas te fuir. Cependant que tu es dans un état où les gens te fuient, que lui s'approche plus de toi, c'est là qu'il va vraiment montrer son amour de Dieu. Et ce frère, c'est qui? Ce frère-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia, clamons. Amen, amen. Amen. Nous avons un frère, Jésus-Christ. Tu as Jésus. Tu as tout. Tu as Jésus. Tu es pauvre. Oh, tu es... Ok, tu es un homme qui a le pardon. Tu n'as pas Jésus. Tu es pauvre. J'aime Jésus. Et je continuerai à l'aimer. Je vais continuer à répondre à ton message. Et si tu étais là, tu ne le connaissais pas. Je te demande de le connaître. La Bible dit que c'est lui le chemin, la vie. Et si tu veux le voir, tu le verras. Le ciel existe. Le saint ira au ciel. Que Dieu vous bénisse. Tu veux aller au ciel?
Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Combien veulent aller au ciel? Nous manifestons. Tia mkono wako juu. Hallelujah. Amen. Simama tuombe Mungu pamoja. Tu vas juste élever, on va prier ensemble. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Gere mere ki dekri. Hallelujah. Hallelujah. Rine ture shere mere ki dekri. Hallelujah. Tunaenda kuomba Mungu. Nous voulons prier. Napenda muimbe waimbaji nyimbo kidogo. J'aimerais qu'on commence une musique douce. Hallelujah. Tunataka kuomba Mungu. Nous voulons prier. Mungu yuko. Dieu est là. Biblia inasema. La Bible dit. Mungu hajabadilika. Dieu n'a pas changé. Yeye yule yule jana leo na hata milele. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Hallelujah. Tuombe Mungu. Nous allons prier. Tena tutatia mikono wote juu. Nous allons tous mettre nos mains en l'air. Kama uko mwenye zambi utatubu zambi zako na utasamehewa. Si tu es pécheur, tu vas confesser ton péché et tu obtiendras le pardon. Kama ulirudia nyuma leo Mungu atakutia nguvu. Si tu étais rétrograde, Dieu va te fortifier. Mungu ni capable ya kugeuza maisha yako. Dieu est capable de changer toute ta vie en un jour. Tuombe Mungu. Nous allons prier. Hallelujah. Gere mere kide gere. Hallelujah. Ninataka kuomba watu wanataka kuja kwa Yesu. Je demande à ceux-là qui veulent venir à Jésus-Christ. Unasikia leo ninataka kujiunga na Yesu Kristo. Tu sens dans ton cœur que aujourd'hui tu veux vraiment te donner à Jésus-Christ. Ninataka kwenda mbinguni. Et je veux aller au ciel. Na mimi ninataka siku moja nikuwe katika ile paradiso pamoja na watakatifu. Moi aussi je veux qu'un jour je sois au paradis avec tous les saints. Fika hapa mbele tu. Tu vas juste t'avancer. Hallelujah. Ninajua watu ni wa Kristo. Lakini kuna wengine wanataka leo kupokea Yesu Kristo. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a d'autres qui veulent aujourd'hui recevoir Jésus Christ. Ndugu Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Kuya hapa mbele. Viens ici devant. Nani mwingine? Qui d'autre? Hallelujah. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Nani mwingine? Qui d'autre veut recevoir Jésus Christ aujourd'hui? Yesu anakupenda. Avancez, yes, Dieu, vous êtes Jésus, t'aime. Yes, anataka kugeuza maisha. Jésus veut changer ta vie. Usirudie nyumbani na mzigo wa dhambi. Ne retourne pas chez toi avec ce fardeau dans ton cœur. Mugiza. Ne demeure pas dans les ténèbres. Tunataka kuomba. Nous voulons prier. Fika avancez. Hapa mbele. Hallelujah. Avancez, Mungu akubariki dada. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Hallelujah. Nani mwingine tunataka kuomba. Nous voulons prier. Gere mere kidegrira. Hallelujah. Kuya haraka. Avancez rapidement parce que nous voulons prier. Mungu akubariki dada. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki ndugu. Que Dieu vous bénisse. Nani mwingine anataka kuja. Qui d'autre veut venir? Yo, hallelujah. Hallelujah. Fika Yesu anakupenda. Labuda hii ndio wakati yako. Et aujourd'hui c'est ton jour, Jésus-Christ t'aime. Labuda Mungu anataka kufanya kitu kipya ndani ya moyo. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Fika hapa mbele tukombe. Avance, nous voulons prier pour toi. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Hatuna muda mrefu sana. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Lakini ningependa kuuliza tena. Mais seulement je veux encore demander. Labuda ulikuwa mchristo. Certainement tu étais chrétien. Kisha ukarudi nyuma. Et tu as rétrogradé. Na leo unataka kumrudilia Mungu. Aujourd'hui tu veux retourner réellement à Dieu. Nyorosha mkono wako. Tu vas juste mettre ton tutataka ta kukuombea Mungu akutie nguvu. Nous voulons demander que Dieu te Mungu donne la force. Moyo. Que Dieu te donne l'esprit. Mungu akukaribie. Nyorosha mkono wako. Mets seulement ta main à l'air pointillé et rétrograde. Dieu va t'aider. Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Nyorosha mkono wako. Mets seulement ta main à l'air. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Kuya hapa mbele. Viens aussi devant, rapidement. On va prier pour toi. Toi qui étais rétrograde, viens aussi devant, on va prier pour toi. N'aie pas honte. Ne crains pas. Même si tu venais à l'église. Mais tu sais que ta vie n'était pas avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Ne crains pas un homme. Regarde si tu es en Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous voulons prier pour toi.
Tu auras une nouvelle vie. Alléluia. 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 Tunaenda kuomba Mungu. Nous allons prier. Neno la tatu. La troisième chose. Uko mu Kristo. Tu es chrétien. Ulibatizwa maji kidogo. Tu as été baptisé juste avec de gouttes d'eau. Hauyafanikiwa kuingia ndani ya maji mengi. Et tu n'as jamais été baptisé par immersion. Lakini ulisikia ubatizo ya kweli. Mais tu as écouté le vrai baptême. Unataka kubatizwa ndani ya maji mengi. Et tu veux être baptisé par immersion. Ubatizo wa Bwana Yesu Kristo. Le baptême de Jésus-Christ. Unapenda? Tu le veux. Kama unapenda nyorosha mkono wako. Si tu le veux, tu lèves aussi ta main. Haujabatizwa ndani ya maji mengi. Toi, tu n'as pas encore fait le baptême par immersion. Nyorosha mkono. Tu peux aussi lever ta main. Hallelujah. Tu n'as pas encore reçu le baptême par immersion, tu lèves aussi ta main. Hallelujah. Nyorosha mkono wako. Lève ta main. Usiangalie aliye karibu na wewe. Ne regarde pas celui qui est à côté Yesu de toi. Kristo aliye kufa kwa ajili yako. Regarde à Jésus-Christ qui est mort pour toi. Uzima wako. Et celui qui a ta vie. Unataka kubatizwa ndani ya maji mengi. Et tu veux être baptisé par immersion. Nyorosha mkono wako. Lève ta main. Alléluia. Naona mikono pale. Et je vois aussi des mains. Kuya mbele tukoko. Tu vas venir, on va prier aussi. Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Katika mapenzi ya Mungu. Et que tu rentres dans la volonté de Dieu. Kuya tuombe pamoja. Viens, on va prier ensemble. Mungu anataka kutakasa kanisa lake. Dieu veut laver son église. Mungu anataka kufanya kazi katika nyumba. Dieu veut faire quelque chose. Kuya ingia katika mapenzi ya Mungu. Viens et entre dans la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Être baptisé, c'est la volonté de Dieu. Yesu aliambia Yohana. Jésus a dit à Jean. Mola, ninapaswa kubatizwa kusudi nitimize mapenzi ya baba yangu. Ah, il faut que je sois baptisé pour accomplir la volonté de mon père. Si kubatizwa sio ishara tu, kubatizwa ni lazima ubatizwe kwa sababu ni amri ya Mungu. Ce n'est pas seulement un devoir, mais c'est important parce que c'est la volonté de Dieu. Tuombeye watu. Nous allons prier pour Mungu les gens. Mungu awabariki. Que Dieu kama vous bénisse. Uko na wewe ukuye. Si tu es là encore, tu vas funga venir. Mulango. Oh, non, on n'a pas encore mulango fermé la porte. Wazi. La porte est encore ouverte. Et aujourd'hui, c'est ton dernier mambo jour. Ya kesho itakuwa na muna gani. Tu ne sais pas le lendemain, c'est quoi qu'il te réserve. Et le temps, quand ton temps sera accompli, tu seras appelé, tu partiras. Tengeneza maisha yako ukingali hai. Arrange ta vie alors que tu es encore sur la terre. Nous levons juste nos mains. Nous allons prier. Vous qui êtes restés, vous tendez vos mains ici devant. Vous tendez vos mains ici devant vous qui êtes restés dans les bancs, dans les chaises. Et Alléluia. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Alléluia, tu es un Dieu de miracles. Oh, Alléluia, Dieu de miracles. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ces bien-aimés qui sont devant toi. Seigneur notre Dieu, ils veulent réellement rester avec toi, oh Dieu. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour eux, au nom de Jésus. Tu aimes, Seigneur, réellement, oh Dieu, les pécheurs. Tu as été à la croix, Jésus, pour que nous soyons ressuscités. Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Oh, nous disons, Jésus-Christ, que tu les reçoives. Et que tu écrives leur nom dans le livre de Dieu. Et que tu les mettes dans ton sein. Là où le diable ne peut atteindre. Parce que là-bas. Et que tu enlèves leur nom dans les livres de mort. Et que tu mettes leur nom dans les livres de mort. Et que tu les remplisses de l'autorité de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ qui les change. Nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Kama uko mu Kristo, unaamini Yesu Kristo. Si tu viens de croire en Jésus Christ. Mara ya kwanza. Pour la première fois. Watakuambia jinsi ya kufanya. On te dira ce qu'il faut faire. Utaandika jina yako. Tu vas écrire ton nom. Na watakuangalia watakusalia. Et ils vont te suivre et t'encadrer. Na kisha utabatizwa ndani ya maji mengi. Et tu seras baptisé dans l'eau. Sio maji kidogo tena, ndani ya maji. Ce n'est pas des gouttes d'eau qu'on verse sur la tête. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Tafuata jinsi watakuambia. Ah, vous avez suivi.